Bonjour à toutes et à tous, amis, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous êtes en super forme pour ça. Super, les gars, il est 9h30 le mardi matin. La Coupe Star est sortie. On s'entraîne, on essaie de vous donner le maximum d'astuces. Franchement, les gars, c'est super stylé comme mode. Je kiffe, c'est nouveau. Donc, en général, quand c'est nouveau, on kiffe. C'est vrai que le marathon, c'était un petit peu lassé. Donc, c'est stylé. Regardez les récompenses que vous allez pouvoir gagner, les gars. Vous allez vous mettre bien. Il y a des skins, il y a des points stars. Voilà, vous allez augmenter votre rang. Il y a un classement, il y a plein de trucs à récupérer. Il y a des badges. J'en ai déjà récupéré d'ailleurs. On va se le mettre, le petit badge, celui-là, que je trouve franchement stylé depuis le temps que je me disais, mais pourvu qu'ils nous sortent des badges, les gars, ça coûte rien, c'est rapide et ça fait plaisir. Donc les copains, si vous voulez plein de vidéos sur la Coupe Star, plein d'astuces, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus, vraiment, je compte sur votre soutien. Objectif, 5000 pouces bleus pour un épisode 2, que je vous fasse suivre un petit peu le quotidien d'un joueur lambda comme moi dans la Coupe Star. Est-ce qu'on a une place, est-ce qu'on est invité ou pas? Parce que c'est vrai que je crois qu'on va croiser beaucoup de monde, de beaux mondes en tout cas, les gars. N'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, vous avez été 600 à rejoindre la chaîne hier, c'est incroyable, il ne manque plus que 4500 personnes pour qu'on soit 500 000. Et les gars, après j'arrête, les gars. Le code créateur Gaël. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de se concentrer? Est-ce que c'est pas le moment de se jeter dans l'arène, les gars? Vas-y, on n'a pas le temps, frérot. Ok, on part en siège. Je t'avoue que, frérot, si j'avais eu le choix, je partais pas en siège. Hein. Mais c'est pas grave, ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Quel est le capitaine de l'équipe? C'est moi. Donc déjà, je vais bannir Mister P. Mister P banni, on a une Billy côté Gueugré. Moi je pense que je peux prendre. Une Emery. Moi je pense que je vais prendre Emery, les gars. Godfrank il va choisir après. Alors Banzai choisit en premier, les gars. Qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'ils vont prendre des tanks ou pas? S'ils prennent que des tanks, c'est pas judicieux que je prenne Emery. Ok, la Rosa elle est validée. Il prend Tic. C'est un peu relou, Tic, les gars. On a une Rosa du côté de Godfrank, ok. Il a l'air indécis. Est-ce qu'il choisit ça ou pas? Il lui reste 10 secondes. En secondes, vas-y, frère, tu peux le faire. Vas-y, Godfrank. D'ailleurs, je suis avec deux énormes joueurs, les gars. Gueugré, Godfrank, je les remercie d'être là. Deux très bons joueurs. Godfrank qui est indécis. Alors, le fait qu'il choisisse comme ça, c'est bon, ça lui valide Rosa, ok. Gueugré, est-ce qu'il va prendre Billy ou pas? Moi, je pense que Billy, c'est un bon choix. Billy, c'est un bon choix en siège, franchement. Elle est validée. Du coup, c'est Mysterio qui choisit. Est-ce qu'il prend un tank ou pas? En vrai, de toute façon, je vais prendre Emery. Pour la bonne et simple raison que même s'il prend un tank, en vrai, il y a Tic quand même que je peux push. Alors, Tic, ça va zoner. Hein, ça va zoner fort, fort. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de les... Enfin, il y a moyen. J'espère, en tout cas, de les counter. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Il prend Emery. Du coup, je peux pas le prendre. Purée, les gars. Mais c'est pas possible de pas avoir de chance dans la vie comme ça. Les gars. Ah, je sais pas quoi prendre, les gars. On va tenter un bar tabac ou un Dina. Vas-y, on tente un Dina, Mike. On tente le tout pour le tout, les gars. On tente le beau jeu. En vrai, je vais plus... Non, je vais pas essayer les stuns. On va partir sur ça. On va partir sur ça, les gars. Est-ce que vous avez la pression? Parce que moi, en vrai, faudrait que j'arrête un jour. Faudrait que j'essaie de prendre du recul sur les choses. Parce que je vous jure, je suis un malade mental. Je suis à fond tout le temps, mais c'est hallucinant. On dirait que je joue ma vie, alors qu'en vrai, on s'en fout totalement. En lose, on en refera, ça que je veux dire. Alors, est-ce que j'ai kill quelqu'un? J'ai kill personne. On a... Ok, j'ai faim. C'est Gueugré qui a fait le kill. Franchement, les gars, on essaie de les embêter un petit peu. Compliqué. Je vais essayer de passer par la droite, mettre un maximum de dégâts. Tiki prend son coup. GG Gueugré. Gueugré lui a dit bouge de là. Ah, le problème c'est que le Tic, vous avez vu comme ça rend fou le Tic. Non, pas la tête, j'ai réussi à la péter. Oh les gars, on est dominé là. On est grave dominé. Oh, j'ai du mal, le Tic qui me rend fou. Purée les gars, on a mis quand même beaucoup de dégâts sur le premier push. Est-ce qu'on a une compo qui peut défendre? Je pense qu'en vrai on va essayer de se débrouiller. Est-ce que vous pensez que le costaud il saute là ou pas?
Est-ce que vous pensez que le costaud il saute ou pas? Oh là 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 les gars! Je me suis pris la tête. Franchement, est-ce qu'on va réussir à avoir le dernier robot ou pas? Alors, en vrai, si on l'a pas, on n'est pas encore éliminé. On n'est pas encore éliminé les gars. Mais faut vraiment. Il m'a vu ou pas lui? Je suis concentré. Si on l'a pas, il faut vraiment qu'on sorte une défense du futur quoi. Ah, j'aurais peut-être dû prendre tic, les copains. J'aurais peut-être dû prendre tic, ça zone mieux et ça m'aurait évité de louper 50 balles. Ah, le MRI, je voulais le prendre. Putain, je voulais prendre le MRI, les gars, je vous jure. Ah, le costaud, il va sauter dessus. Hein. Le costaud, il va sauter. Je me suis pris un tir. Ah là là, les copains, ça sent la défaite, Ada. Malheureusement. Ah, c'est... franchement, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Un petit peu dommage, le choix du Dynamite était pas mal, mais le problème c'est que vous avez vu quand on est dominé comme ça, c'est quand même compliqué, mais c'est pas grave les gars, on part dans l'arène directement. Et le fait qu'on ait eu le premier robot, je vous avoue, j'y croyais un petit peu. Et j'ai cru qu'on avait notre carte à jouer, et en vrai, elle a pas été énorme la carte quand même, hein. Elle a pas été énormissime les gars. Ok. Ah... Le Emery qui vient me push, purée les gars, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il est full tornado mid, hein, full tornado mid, on n'y voit rien du tout. On n'y voit rien du tout, on a encore une fois le premier robot les gars, en espérant qu'il nous porte pas malheur, parce que tout à l'heure on a pourtant bien push. Hein. On a bien push. Je meurs là malheureusement, on rentre pas mal de dégâts encore une fois les gars. On rentre un petit peu plus de dégâts. Putain, on a rentré énormément de dégâts. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. On leur a mis 82% de dégâts sur le premier push. Franchement, les gars. On a bien touché, on a bien touché, on a bien touché, on a bien touché. Attention, attention, Franck. Bien, ouais. Ah! Les gars, je l'ai viré sur Franck. Je l'ai viré sur God Franck, le mec. Ah, j'ai dit bouge. Bouge, bouge frérot. Ok, ils ont le robot, mais on a un peu des boulons, nous. On va en avoir 4. Il faut réussir à défendre bien. Gugré qui fait plaisir. Hein. Gugré avec sa Billy, les gars, il est en train de les bastonner fort fort. Et ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir, clairement. Ah, mais non, mais non, mais non. Mais pourquoi j'ai toujours la tête de Tic, moi, sur moi? Alors, ils push pas, eux. Ils push pas. 4-1 pour l'instant. Il faut absolument reprendre le contrôle du mid. Et je pense que ça va pas être évident. Je pense que ça va pas être évident, les gars. J'envoie des bastos de partout en espérant que ça puisse faire le taf. Allez, les gars. Allez, les copains. Oh là 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 là, Godfrank qui allait finir. Quelle machine de guerre, le frère. Un partout, balle au centre, les gars. Les gars, les gars, explosez les pouces bleus. Encouragez-nous. Elle est un peu tirée par les cheveux, cette game, je l'avoue. Mais on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. Le frère, il a régalé. Les gars, concentration maximum. Putain, le MRI, je vis ses mouvements et pourtant j'ai du mal. Hein, j'ai du mal à anticiper. Allez, toi, prends tes coups, toi. Prends tes bastos, frérot, toi. Ah, il joue bien, ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien. Ça joue vraiment pas mal. Non mais la tête, tu me laisses tranquille, tu me laisses tranquille. Oh mais c'est un truc de fou. Mais bouge, la tête. Je suis sa victime préférée, les gars. Ça me saoule. 2-2 pour l'instant. Ouh là 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 là, les gars, faut pas qu'on perde celle-là. Faut pas qu'on perde celle-là. Clairement, on n'a pas le choix. Il faut absolument gagner. J'y vois rien, moi j'avance à l'aveugle là, purée. Oh c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud, on se fait un peu dépasser là. Tiens, je balance ce que je peux les copains, je fais ce que je peux, je vous jure, je fais ce que je peux. Ça qui me fout le plus les boules, c'est que j'ai l'impression de me battre comme un beau diable et... J'ai l'impression qu'on n'est pas payé pour l'instant. Oh, les copains, on peut peut-être essayer de le faire, vous pensez? Vous croyez en nous ou pas? Est-ce que vous croyez en nous ou pas?
Est-ce que vous croyez en nous ou pas, les gars? Est-ce que vous croyez en nous, purée? Ah, ça va être mort. Ça va être mort, je pense, les copains. Ça va être mort, je pense, les copains. 7-4, qu'est-ce qui est le choix d'Emery? Il est bon, ce choix. Qu'est-ce qu'il est bon, ce choix d'Emery, les gars? Qu'est-ce qu'il est bon, purée? Je voulais le... Ah, les gars, on va pas lâcher l'affaire. Hein. Vous inquiétez pas, on va pas lâcher l'affaire du tout. Mais j'avoue que le Emery, là, quand tout est pété comme ça, quel kiff de le jouer, purée. Ouais, non, c'est bon. Compliqué, tout ça, les gars. Putain, on a rentré des dégâts, hein. Enfin, on a rentré, on a touché un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on s'est pas trop fait démolir. On a fait 2-1. Ça va, les gars, c'est pas grave. On se reconcentre et on relance directement, on repart directement dans l'arène. On savait que ça allait être compliqué en même temps, cette compétition, les gars, les premiers jours, même les premières heures, même les premières minutes, les gars. On savait que ça allait être compliqué, donc en même temps, on peut pas non plus trop se plaindre. Hein. C'est assez normal, les premiers jours, il y a que des gros joueurs qui lancent. Allez, les gars, on est parti, c'est lancé, pourvu qu'on ait une bonne map, s'il te plaît, le jeu. Croisez les doigts, les gars. Pourquoi tu m'envoies en zone réservée? Non, mais pourquoi tu m'envoies en zone réservée, le jeu? Le jeu sans rigoler, moi je vais prendre Wally. Ah oui, il va falloir qu'on banne un brawler. Moi vas-y, Edgar ça dégage. Edgar les gars. Edgar, allez, ciao. Faites une bise à Edgar les gars. Dites au revoir à Edgar s'il vous plaît. Ok, il y a un tick banni, en vrai ça me va. Moi je vais prendre le Wally si personne ne me le pique. Je vais attendre que ce soit mon tour les gars. Alors il y a un truc important qu'il faut que je vous dise. Attendez que ce soit votre tour pour parler, pour choisir. Parce que sinon les mecs voient le brawler. Gugré il a choisi son brawler avant. Les mecs en face voient Gugré prend Rico. C'est-à-dire que potentiellement, ils peuvent counter Rico, voilà. Vous avez compris le délire ou pas? Donc on a un boule du côté de Godfrank. Alors pourquoi il ne prend pas Frank, hein? Tout le monde se pose la question quand on s'appelle Godfrank. Je rigole un petit peu. Et en fait, je rigole, mais je suis stressé. Misko Jones, qu'est-ce qu'il va prendre le frérot? Qu'est-ce qu'il va choisir? Pour l'instant, Dina, bon, ok, il risque de tout péter, mais c'est pas forcément le brawler le pire du monde. Il est un peu long, le frère, à répondre, là. Il a pris Gaël, ok. On a Gugré qui a choisi. Moi, je vais prendre Wally. Et le dernier, il a pris Mr. P. Très, très bon choix, Mr. P. J'aurais peut-être pu le ban. Vas-y, moi, je le laisse comme ça. Je le laisse comme ça, les gars. Ouh, les gars, est-ce que c'est la première victoire de la vidéo ou pas, les gars? Croisez les doigts qu'on puisse le faire ensemble, en famille. Allez. Allez, les gars, alors, quel niveau ça va avoir en face? Est-ce que c'est du monstre? Est-ce que c'est du moyen? Ou est-ce que c'est de la machine de guerre? Moi, je vais essayer d'aider un petit peu là. Ok, déjà, je fais un kill sur l'entrée en matière, les gars. Et ça c'est validé par la street. Comme on dit chez nous, c'est validé par la street. Mr. P, il décède. Voilà, les gars. Oh, purée, c'est peut-être la vengeance. C'est peut-être la vengeance, les gars. Et auquel cas, qu'est-ce qu'elle fait du bien? Ouais, Mr. P, tu bouges. Tu bouges, on t'a dit, frérot. T'es pas invité. Oh là là, tonton, mais je carie, les gars, ou pas? Non, sincèrement, les gars, avouez, sur cette game, chut. Alors, faut pas que je fasse trop le malin, parce qu'en général, quand c'est comme ça, derrière, ça dure jamais très longtemps, hein, bien sûr. Ce serait trop beau, sinon. Faut dire que je suis avec deux machines de guerre. Faut dire aussi que Gugré, les gars, j'en ai pas parlé, je vais vous le montrer juste après, mais c'est le premier niveau 400 français. Donc, level 400, donc je sais pas si vous réalisez que moi je joue énormément, je suis passé level 300 il y a peu de temps, le mec, il est level 400, lui, il a pas le temps, il a plus de 60 000 victoires 3v3, enfin, on est quand même avec, je suis bien entouré. Est-ce que c'est notre première victoire ou pas, les copains? Il faut faire un gros start, Gugré les chauds, Gugré les chauds. Je sens qu'il est chaud, le frérot, là. Ok, qui est la droite? Qui la gauche? Non, tu pars pas, frérot, tu pars pas. Tu meurs ou tu pars pas? Alors. Ok, ça meurt. Oulala, les gars, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Là, il a craqué. Et tout simplement, il est venu nous sauter dessus. Alors là, je sais pas si j'aide Godfrank ou si j'aide Gugré. J'avoue que mon choix... J'avoue que mon choix est entre les deux. Ouais, là, ils ont quand même pris le côté gauche de fort belle manière. On mange un buisson, les gars. Ok, j'ai tué le Mr. P. On va tuer sa tourelle qui est très mal lancée. Bon, c'est pas des pros. Eux, je pense pas que ce soit des pros, parce que pour jeter une tourelle de Mr. P, quand on vous sait comme c'est précieux, aussi bêtement, à mon avis, grosse erreur. Moi, je vais leur mettre un...
Je me suis fait éclater. 94%. Ah ouais, Godfrank, il a pas le temps. Il a cru que la game, elle était chronométrée, on allait être éliminé, les gars. Calme-toi, frérot, calme-toi. Tempo, ok, on tient notre victoire. Ça a fait plaisir, les gars. Ça fait quand même plaisir de faire une première victoire. Et je vais vous montrer le rang de Gugré. Tout simplement, voilà, le level, le pouvoir, 400. Incroyable, incroyable comme c'est la puissance. Franchement, les gars, est-ce que vous voulez qu'on s'en relance une petite ou est-ce qu'on stoppe? Moi, en vrai, je peux en lancer une petite. S'ils sont dispo, je peux en lancer une petite. Allez, les gars. Allez, les gars, il faut qu'on finisse par une victoire. On a fait lose, win. On part en siège. On part en siège. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne, là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? Alors, déjà, les mecs en face, je les connais a priori pas. Ça me dit rien. C'est à moi de bannir. Vas-y, je bannis Edgar. Edgar, il dégage. Edgar, les gars. Ah ouais, on ne le verra pas de la vidéo, Edgar. Je suis fâché avec lui. Qu'est-ce qu'ils bannissent en face, les copains? Ça m'intéresse de... Ça m'intéresse de voir un petit peu ce qu'ils bannissent. Gugrik, je fais son brawler un petit peu trop, à mon avis. Il donne une info au frérot en face. Ok, on a une loup bannie. Loup en siège, c'est très très fort. Je valide le choix. Moi, je pense que je vais tenter un Dynamite, les gars. Moi, je vais tenter mon Dynamite. Mon Dynamite, c'est le mien. C'est le mien, les gars. Personne ne le prend. Alors, Pinko, Mr. Pinko, qu'est-ce qu'il va choisir, ce frérot? Qu'est-ce qu'il va nous prendre? Est-ce qu'il peut prendre un brawler éclaté? Il prend un tic. Il prend un tic. Le tic, c'est validé. Le tic, c'est validé. Godfrank, en vrai, s'il prenait Frank, ce serait logique, non? Vous en pensez quoi, les gars? Qu'est-ce que peut prendre Godfrank? Moi, je dis Frank. Voilà. Les gars, c'est logique. Soyez quand même, les gars. Gugré, il prend... Son petit toutou, Médor. Moi, s'il me laisse Dynamite, je pense pas qu'il prenne deux lanceurs en face. Je vois bien une Billy, moi. Billy Emery. Je vois bien Billy Emery. Non, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Jaco, qu'est-ce qu'il prend, Jaco? Jaco, il hésite. Il se demande. Est-ce qu'il peut nous prendre un brawler éclaté? Ah, il prend Emery, c'était quasi sûr. Et du coup, son frérot. Moi, je vois bien un tank, hein. Il faut un tank là-dedans. Il faut une Billy, il faut une Rosa. Il faut un truc dans ce style-là. Ou pas. Alors, il est hésitant. Moi, je pense que je vais prendre un bar tabac. Bar tabac, c'est bien, vas-y. Vas-y, je prends bar tabac. Ok. On va voir un petit peu ce que ça va donner, les copains. La compo, elle est correcte. Je suis juste étonné sur Médor. J'avoue que Médor en siège, je savais pas que ça se jouait. Par contre, en face, Emery Tick, c'est du standard. Et le max, vu comme il est OP en ce moment, compo, bon, pas forcément une compo de siège, mais compo méta en tout cas. Et je pense malheureusement, les gars, que les compos méta vont prendre le dessus sur les compos qu'on est habitué à jouer. Oh là là, qu'il est beau. Qu'il est beau, ce Franck. Qu'il est beau, ce Franck en gold. On va espérer faire une belle entrée en matière. Alors. Ok, le kill de Gugré. Ah, ça pourrait être une victoire, ce serait incroyable. Ce serait amazing même, j'ai envie de vous dire, les gars. Alors. J'avoue que là, le max, il veut me péter. Ouais, c'était presque sûr. C'était presque sûr qu'il me tendait un piège, cet escroc-là. Les gars, je suis pas mort. Me demandez pas comment, j'en sais rien. Franchement, c'est chaud. Oh là 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 là, mais non, mais il a 500 PV, le truc à droite, là. Oh, je me fais soulever, on a 5 boulons à 6. Ils vont prendre le premier robot, ce qui est pas forcément gravissime, parce qu'avec un Franck pour défendre et pour attaquer, on a quand même une puissance intéressante. Ok, Franck, il y va, il y prend. Aïe, les gars. Je suis pas mort. Allez, faut qu'on réussisse à zoner. Faut qu'on réussisse à remettre la presse un petit peu, là. Ok, 40 PV, on a 9 boulons. On aura le prochain, les gars. Va falloir sortir une grosse défense, là. Et je pense qu'on peut le faire. Je pense que Franck, il va essayer de les prendre. Est-ce qu'il a réussi à prendre des adversaires ou pas? Moi, je peux le ralentir comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Ah non, j'ai loupé le... Putain. J'ai loupé le gadget, les gars, mais en vrai, c'est pas grave. On a réussi à le garder. Je peux peut-être m'en servir sur le mid ou sur un futur robot. Il n'y en aura pas. Futur robot, il n'y aura pas. Parce que si on se le... Oh! Les gars. Oh non, faut qu'ils prennent Gugré. Faut qu'ils prennent, on a la win. Oh non! Non, ils auront pas le temps de remonter, ok. Faut que je garde mon ulti. Ils auront pas le temps de remonter, les frérots, ils le savent. Ils le savent, les gars, ils le savent que là, normalement, sur le push, on va leur mettre assez cher, a priori, on va leur mettre assez cher sur le push. Je l'espère, en tout cas. Les gars, faut que personne meure. Faut surtout pas que Franck et moi en meurent. Franchement, les gars, allez, c'est parti. Non, mais attends.
Ça passe. Ok. Ok, les gars. Oh, ils nous ont bien chatouillé. Franchement, ils nous ont rendu fous. Mais je savais que sur Apple, avec les boulons qu'on avait, ça pouvait le faire. J'étais pas sûr, mais ça pouvait quand même le faire. Faut vraiment qu'on fasse attention. Vous avez vu que là, le travail a payé. Les gars, on est sur cette vidéo à égalité. We lose. Il faut qu'on l'emporte. Il faut qu'on gagne. Et ça s'annonce quand même un peu complicado. Mais ils se sont fait bien toucher, eux. Ils se sont fait bien toucher. Le problème, c'est que là... Là, ils ont récupéré la zone et elle est compliquée à gérer. Là, moi, j'y vois rien. On a un seul boulon. Ouf, comme elle pue cette game-là. Comme l'entrée en matière, elle est pas bonne. L'entrée en matière de la game, les gars, elle est pas incroyable. Ah, la tête, elle est pour moi, les gars. Mais bien sûr, c'est l'histoire de ma vie. Ah, attention, là. Attention, parce que là, ils ont l'avantage sur le deuxième robot. Je pense que c'est une game. Malheureusement, le start de la game n'a pas été bon. On s'est fait archi dominer d'entrée. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Franck à droite qui essaie de se faire sa place. Oh là là, les gars. Là, regardez, on a un boulon. On a récupéré qu'un boulon depuis le début, là. Ah, ce serait trop dommage, les gars. Ce serait trop dommage, les copains. Gugré, il a fait le kill. Aïe, 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 je pense que là, on y passe. Hein. On y passe ou pas, là? On y passe ou pas, les copains? Est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de se... Bon, j'essaie de le ralentir, mais bon. Je pense qu'on va le def. Alors, le problème, c'est que là, on a trois boulons, quoi. On a trois boulons, les frères. Ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. On peut peut-être faire un truc, hein. On peut peut-être ou pas. J'y crois moyen, mais en vrai... Ah, dommage. Dommage. 6-6. Aucun siège. Oh là là, on a le 7ème, les gars. Comment c'est pas payé? Comment on aurait presque... On aurait pas... En vrai, on n'a pas mérité, non. On n'aurait pas mérité, mais ça aurait quand même été cool qu'on puisse essayer de voler... Moi, je tente un push du futur pour mettre quelques dégâts. Regardez, on va mettre à peu près 10%. Même exactement, on a mis 20%, les gars. J'ai mis 20% sur un push. Hein. Vous imaginez la puissance quand je dis de barler? C'est que j'ai mis 20% sur un push suicide. C'est énormissime. Malheureusement, là, on s'est fait dominer d'entrée. On va quand même avoir une revanche. Alors, comme quoi, c'est une égalité parfaite, les gars. Franchement, j'espère que le start sera moins douloureux. Je vais essayer d'aider mes frérots le mieux que possible, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident, j'essaie de push un peu plus haut. Un peu plus haut parce que j'ai vu que c'était quand même précieux là les... Franchement les gars, je suis concentré, hein. Je vous jure, je suis concentré. Ah, je tombe dans le coup de tic. On est en 3-2, le start il est un peu mieux, il n'y a pas de robot. En vrai, le mieux ce serait qu'ils prennent le premier robot et qu'on prenne le dernier, hein. Ce serait vraiment le mieux. Ce serait vraiment le mieux, les gars. Putain, le Emery à gauche, il va à 2000 avec le max qui le booste. Compliqué à gérer tout ça. Alors, les copains, est-ce qu'on peut pas récupérer celui-là? Ah non, c'est très mal joué de ma part. Je voulais le boulon absolument, on a 6 boulons, les gars. Il faut leur laisser le robot, en vrai, il faut leur laisser celui-là. J'espère juste, là sincèrement, il faut leur laisser... Non, faut pas qu'égalité. Oh là 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 là, les gars, c'est la sauce. Et non, là, on a perdu. Et en plus, mes deux frérots sont tombés en même temps. C'est la défaite. Malheureusement, c'est la défaite. Dommage. On aurait dû leur laisser le premier robot. C'est dommage qu'on soit pas en vocal. Là, on leur laissait le robot. On avait le push final. Mais c'était sûr qu'à la fin, ils allaient nous avoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, s'ils avaient... C'est pas grave. On va dire petite faute de compréhension. Mais là, s'ils avaient eu le premier robot... Nous, derrière, on défendait facile avec Franck qui avait l'ulti. Et après, on aurait eu le temps encore pour récupérer 2-3 boulons. Et on aurait eu un robot à 10 et on arrivait à full win. On arrivait à les push.
Dommage. Je pense même qu'ils nous aient laissé les boulons, à mon avis. Ils ont dû nous laisser les boulons. Ouais, ils savent qu'ils ont gagné la GGAE 23. Vous imaginez la puissance. Franchement, les gars, bon, c'est une déception sur cette vidéo du jour. Mais en même temps, le niveau était dingue. Et le niveau était dingue. Voilà, le niveau était dingue, clairement. Et on peut pas. Voilà, on n'est pas invité. Clairement, on n'est pas invité. Moi, je suis pas un pro, hein, les gars. Moi, je fais mon possible. Mais je ne suis pas un pro player, les gars. Et bah, ça s'est quand même ressenti là. On a quand même du mal sur ces games-là. J'espère que vous allez quand même un peu plus vous balader que nous. Parce que nous, quand même, on aura subi sur cette vidéo. En tout cas, les gars, on aura quand même remporté 3 games. Et on en aura perdu 4 au final. Hein. Bon, ça va, ça fait quand même mal. Mais en vrai, ça va, c'est quand même cool. J'espère, les copains, que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez bombardé les pouces bleus. Vraiment, je compte sur votre soutien. C'était fun de partager cette compétition avec vous, la Coupe Star. J'espère que vous serez bien classés, voilà, que vous ferez honneur, vous ferez plaisir. Moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous à tous. N'oubliez pas le petit abonnement à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.